Bonjour, bonjour, comment allez-vous J'espère que vous êtes en forme. Est-ce que cette fois, vous m'entendez Est-ce que c'est OK pour vous Dites-moi tout. Bonjour, bonjour. Oui, vous m'entendez puisque je m'entends là. Quelle horreur. Qu Alors, hop là, voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tiens, bonjour Magali, je vous vois par hasard dans les commentaires, je crois que vous êtes nouvelle. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Jocelyne, coucou Drin Drin, Sandrine, Martine, Viviane, Cécilia, euh, Viviane, qu'est-ce que j'ai raté Coucou Laurence, hello Camille. C'est bon, tout le monde m'entend, c'est génial. Bon, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. Coucou Hélène, comment ça va euh, Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif du mercredi après-midi. Euh, j'espère que vous aussi. Coucou ma Cathy euh, J'espère que vous êtes prêtes à passer un petit moment sympa en ma compagnie, enfin en tout cas, je l'espère. Euh, on se retrouve donc chaque mercredi après-midi à 14h. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, vous verrez, il y a toujours une bonne ambiance sur les lives. Coucou Marie-Christine, bonjour Evelyne et Nathalie. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, faites un petit coucou, partagez dans les commentaires vos impressions, ça sera avec grand plaisir. Bonjour Véronique <laughs> Ça va Véronique, t'es en forme aujourd'hui Bonjour Daniel Comment ça va Re-coucou Marianne <laughs> Hello Fatou Alors, si vous passez un bon moment pendant la vidéo, et eh bien écoutez... Merci beaucoup d'avance si vous voulez bien partager justement cette, cette vidéo euh, pour, euh, voilà, pourquoi pas faire partager euh, plein d'autres personnes. Coucou Evelyne, toujours euh, fidèle au poste à 14h, même DyleMine, ça me fait super plaisir que tu sois à nouveau là aujourd'hui en tout cas. Bien, bien, bien. Alors je pense que tout le monde est en train d'arriver en même temps. Tu me suis en regardant Roland Garros. <laughs> Excellent. J'adore. Bonjour Delphine. Coucou ma petite Marotine. Bien. Alors ce nouveau live créatif aujourd'hui, eh bien, nous allons apprendre euh, ou découvrir ou redécouvrir pour certaines certainement euh, une technique de colorisation toute simple. Vous allez voir et qui donne un, un, un superbe rendu. Coucou Eloïse. Coucou Elsa. Euh, donc j'espère que ça vous plaira et puis du coup vous allez voir vous avez plein de possibilités qui, qui s'ouvriront à vous avec cette colorisation. Bonjour Claude, coucou Muriel, euh, Laurence, est-ce que Nala a fini sa bronzette Oui oui Nala a fini sa petite bronzette <laughs> pour l'instant en tout cas. Euh, voilà oui étendue de tout son long euh, sur la terrasse tranquille prendre son petit bain de soleil. <laughs> Une découverte pour toi, Marie-Christine. Et eh bien, ça, c'est génial. Bonjour, Nathalie. Bien, Nathalie va être sage aujourd'hui. <laughs> N'est-ce pas, Drin Drin Bien. Alors, bon, je regarde vite fait. Si j'ai raté personne, si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Hein. Vraiment. Petit bug pour toi, mais ça devrait le faire. Oui, oui. N'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter si jamais vous avez un souci de connexion. Moi, à mon niveau, je ne peux rien faire de plus que ça. Euh, je croise les doigts pour que ça fonctionne pour tout le monde. Nathalie, tu vas être sage Bon, je compte sur toi. <laughs> Bonjour Véronique, bienvenue. Alors, euh, je tenais quand même à vous rappeler que euh, il vous reste jusqu'au 31 mai, donc mardi prochain si je ne m'abuse. Pour profiter de la méga super top promo que Stampin'Up vous propose euh, pour rejoindre en fait la famille Stampin'Up. Euh, vraiment, je ne sais pas comment vous dire à quel point cette promo est extraordinaire. Euh, 81 euros de produits offerts, donc c'est juste un truc de dingue en fait. C'est vraiment, s'il si y a des moments où on hésite, là, c'est vraiment le moment où il ne faut plus du tout hésiter. Croyez-moi, euh, même mes filles -elles vous le diront. <laughs> il y en a même qui m'ont dit, est-ce qu'on ne peut pas annuler et recommencer bon, genre, ah Non, ça serait bête quand même. <laughs> vraiment. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, ça me ferait un grand plaisir euh, d'y répondre. Donc n'hésitez pas, que ce soit là pendant le live, que ce soit en message privé, que ce soit par mail. Euh, voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, parce que je vous assure que ça vaut le coup, que ce soit pour démarrer une activité professionnelle ou simplement pour profiter euh, des réductions, ce qui est quand même euh, hein, pas mal. Euh, C'est pour Laurence Climac. Oui, je n'arrête pas de lui dire à Laurence qu'il faut qu'elle rejoigne l'équipe avec le talent qu'elle a, avec les idées qu'elle a, elle devrait Écoute, Muriel, à toi de jouer. Hein. Ça fait un an au moins que je la taraude avec ça. Euh, maintenant, donne-moi un coup de main. <laughs> Coucou, Maria-Isabelle, comment vas-tu Hello, Sandrine. Euh, voilà, donc en fait, quand j'ai démarré, moi, c'était pareil. Hein. C'était pour profiter tout simplement des réductions, pour me faire plaisir, parce que j'adore les produits Stampin' Up ils sont d'une qualité incroyable. Incontestable et du coup, euh, 20% de réduction à chaque commande, déjà rien que ça, c'était quand même le top. Euh, bon, après, je me suis prise au jeu de l'activité, etc., des challenges, euh, des ateliers faits avec les copines et tout. Euh, voilà, donc j'ai poussé l'activité plus loin, mais au départ, c'était vraiment en disant 20% de réduction à chaque commande. Euh, bah, quand même, euh, je suis quand même bien accro, donc euh, bah, allons-y, hein! <laughs> Allons-y! Et du coup, on a eu droit aussi à des cadeaux. À l'époque, j'ai signé pendant la SAB, euh, qui était euh, à l'époque encore sur trois mois, donc de janvier à mars. Donc j'avais eu une collection de papiers, j'avais eu une mini guillotine, euh, et puis il y avait encore autre chose, je crois, mais je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Mais du coup, euh, bah, le montant n'était pas aussi élevé que celui qui est actuellement. Voilà. Je vous laisse tranquille avec ça, j'aurai encore des millions de choses à vous raconter sur le sujet. Euh, mais du coup, à cette occasion, je vous invite, pour celles que ça intéresse, par exemple, euh, eh bien, je fais un live lundi prochain à 13h30, euh, justement, pour vous expliquer un petit peu plus euh, euh, ben, mon histoire par rapport à Stampin' Up, et puis euh, ben, éventuellement pour répondre à vos questions, si vous en avez à ce moment-là, euh, pour... Euh, Calmez vos doutes par exemple, ou euh, voilà, vous rassurez, en tout cas euh, euh, moi c'est pour les réducs, mais ça apporte aussi tellement plus. Oui, j'ai pas eu le temps de voir qui a mis ce super commentaire, mais effectivement, euh, mais ça, le côté communauté est venu un petit peu après pour moi. Euh, mais en effet, le côté euh, équipe communauté, euh, tous les liens que j'ai pu créer depuis que j'ai démarré cette activité, euh, des gens qui sont devenus mes amis, on, on, voilà, on est devenu un groupe d'amis réellement, c'est quand même un truc de dingue, mais je vous assure que c'est réel, euh, il voilà. y, y a tout ce côté humain derrière euh, qui n'a effectivement pas de prix en fonction, en comparaison des, des réductions. Voilà. Les deux sont intéressants, mais humainement parlant, euh, c'est assez extraordinaire. J'ai une équipe, certains membres sont devenus des réels amis, euh, et, et j'ai quand même autant d'affection et de bienveillance euh, pour les autres membres. Il faut acheter combien par mois Alors, Véronique, en fait, c'est sur un trimestre. Euh, voilà, c'est un chiffre à réaliser par trimestre. Euh, donc, euh, c'est environ. Alors, ça dépend des cours, de l'euro, etc. En moyenne, 370-375 euros euh, par trimestre. Euh, en sachant que, effectivement, Stampin' Up sait que parfois, un trimestre, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a un mois supplémentaire pour finir le trimestre si jamais euh, ça devient compliqué. Coucou à la fille d'Elsa Gros bisous <laughs> Coucou Nadine, comment ça va Bonjour Rachel, moi aussi je vous aime Cathy. Euh, voilà Véronique, j'espère avoir répondu à ta question en tout cas. Euh, voilà, donc il n'y a pas de déclaration mensuelle à faire. Euh, si euh, vous n'achetez les produits que pour vous, euh, bah vous ne payez pas d'impôt dessus, hein, ça c'est quand même aussi sympa. Euh, voilà. Il y a encore plein plein de choses, donc n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant le live d'ailleurs, hein, j'ai mes filles aussi qui pourront euh, vous répondre. Euh, un groupe au top dit Karel. merci ma bichette une fille qui qui commente <laughs> c'est sympa euh, Karine j'ai cru voir que tu avais mis un message mais je n'arrive pas à le trouver je vais peut-être le trouver après voilà voilà comme je vous dis je pourrais vous en parler des heures euh, je vais avancer sur euh, le live créatif d'accord si jamais euh, d'ici euh, cet après-midi ou dans les jours à venir vous avez envie euh, euh, bien sûr, de, de me poser d'autres questions. Euh, voilà. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit SMS, vous avez mon numéro, euh, ou un mail. Voilà, euh, n'hésitez pas et je vous y répondrai avec grand plaisir. Puis même, vous pouvez me passer un petit coup de fil et puis on papote ensemble aussi, ça peut être sympa, comme ça on apprend à se connaître. Ça aussi, ça peut être cool. Alors, cette fois, je passe. Euh, merci Laurence, je passe. Euh, Comment dirais-je au euh, oh, à la création Donc cette découverte euh, de euh, cette technique de colorisation. Alors Véronique, je ne suis pas une pro sur le scrap, mais il n'y a pas besoin d'être une pro. Si jamais, par exemple, dernière parenthèse, je vous promets, vous aimez les loisirs créatifs. Vous ne vous sentez pas, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais vous ne vous sentez pas particulièrement créative ou inspirer ou doué pour créer des projets, etc. Ça vous paraît une montagne. Alors un, ça se travaille. Deux, malgré tout, avec Stampin' Up, vous avez des kits tout compris. D'accord Donc des kits complets avec tout le matériel dedans pour réaliser des créations, des cartes, des boîtes, etc. Vous les connaissez probablement. Quand une personne veut commencer une activité démonstratrice, mais ne se sent pas forcément très à l'aise avec la création de projets, etc. Il faut vous servir des kits, vous avez absolument tout sous la main pour pouvoir même créer des ateliers, etc. Euh, avec ces kits. Donc ça, c'est l'idéal pour commencer une activité ou pour euh, s'adresser à des personnes qui sont entièrement débutantes. Voilà. Je ferme cette fois cette parenthèse et nous démarrons la technique. Colorisation, parce que euh, vous avez plébiscité cette carte à de nombreuses reprises lors, lorsque je l'ai euh, publiée. Euh, vous l'avez trouvée super sympa. Et du coup, euh, eh bien, ah voilà, vous m'avez dit oh, un petit live, ça serait sympa. Donc voilà, je m'exécute avec plaisir. Alors, qu'est-ce que me met ma petite Camille N'hésitez pas à aller discuter avec Harmonie, elle est top, elle répond vraiment franchement à vos questions. J'ai passé une heure et demie à discuter avec elle. <laughs> 30 minutes de stampin-up et une heure de papotage. <laughs> Ça j'avoue. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'était un beau moment, à bichette, en tout cas. Ça, c'est vrai que c'est un très bon souvenir. Et il y a plein de vidéos pour s'inspirer et trouver des idées. Exactement Béatrice, t'as tout compris. C'est tout à fait vrai. Même si on se sent pas méga créative. Internet est notre meilleur ami dans ces cas-là. On est bien d'accord. <laughs> Plus du tout harmonie, un peu hésitante du début. Ah bah non, j'ai évolué. Bah encore heureux que j'ai évolué. <laughs> je sais, je sais. Il y en a quelques-unes de temps en temps parmi vous qui s'amusaient à me dire, tiens, j'ai regardé ton premier live, ou le deux ou troisième, ou le dixième. <laughs> Et là, c'était quelque chose. Quelqu'un récemment m'a dit. Euh, ah oui, j'ai vu, t'avais les cheveux super longs, puis t'étais toute timide, et puis... <laughs> » Ouais, 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 exactement. Mais du coup, on évolue, parce qu'on est aidé par la communauté, par les autres démonstratrices, et puis du coup, euh, voilà, on, on évolue avec le temps, mais comme pour tout, en fait, hein, il faut jeter à l'eau. C'est comme quand on pose les petites roulettes à vélo. On jette les petites roulettes, et on se lance, et on y va, et c'est parti <laughs> Gros bisous Elsa, t'inquiète pas, je pense fort à toi ma biche. Alors, cette fameuse petite carte avec la technique de colorisation, toute simple, vous allez voir, avec ce super rendu. Alors, je l'ai réalisé avec, hop, je prends ça, le set de tampons Wild and Sweet. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec plein d'autres tampons sans aucun problème. D'accord donc, ça, c'est une carte que je vous avais déjà présentée lors de mes portes ouvertes au mois d'avril. Voilà. Euh, et du coup, je ne m'étais absolument pas attendue à faire un live dessus. Mais encore une fois, c'est un grand plaisir. Coucou Fabienne, bienvenue. Coucou ma belle Amandine. Oui, je fais bien, je te remercie. Oui, Nadine, je sais qu'il te plaît celui-là. Je sais que bientôt tu vas me dire on le commande. C'est pas la première fois que tu me le dis. Donc, un magnifique gaufrage avec un classeur de gaufrage à l'arrière, les nouvelles fougères que j'ai utilisées déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, le papier doux suède, le tamponnage doux suède également. Je vais partir sur une autre couleur aujourd'hui, euh, vous allez voir. Et puis voilà, ça suffit en fait. Rien de plus euh, pour la création de cette carte. Évidemment, hormis la petite technique que je vais vous apprendre aujourd'hui, les découpes ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais normalement oui, mais oui, vous voyez très bien, euh, les poinçons rectangles surpiqués alors, qui sont super sympas. Du coup, vous apercevez là un petit peu mieux le classeur de gaufrage fougère qui voilà, donne tout de suite son, un incroyable effet à un simple morceau de papier blanc, il faut le dire, on est bien d'accord. Et pareil, là, euh, rectangle sur piqué, il y a plusieurs dimensions, donc ça, c'est vraiment génial. Voilà pour cette petite carte. Donc, vous, allez, vous avez pu apercevoir encore aussi la colorisation ici. Du coup, je vous propose que nous démarrions. Pour cela, il vous faut. Je prends mon petit papier. Voilà, une base de cartes. Donc, cette fois, je suis partie dans l'inspiration ardoise bourgeoise. Coucou Laurence, on parlait de toi il y a quelques minutes ma belle. <laughs> enfin ta cousine surtout qui t'a balancé. <laughs> ouais, les rectangles sur piqué, ils sont hyper pratiques parce que du coup pour des étiquettes de cartes, pour une création de cartes. Vraiment euh, pff, les possibilités sont incroyables et c'est vraiment le top. Oui Laurence, bah, tu demanderas à Muriel. <laughs> Je suis sûre que tu vas savoir de quoi on parle. Moi, ouais, j'ai une technique pour la mise en couleur blanc, mais oups. Ah, oh, bah c'est pas grave, Eloïse, t'inquiète pas, ma biche. Donc, ici, ardoise bourgeoise pour la base de cartes. Donc, quelque chose de vraiment très simple. Ardoise bourgeoise, c'est un des gris que j'adore, que je trouve vraiment très, très beau. C'est un de mes gris préférés. Donc, base de cartes toute simple, basique. Pff, ouais, voilà. pardon pour la répétition. <laughs> 21 par 14,85 comme d'habitude avec un pli au centre à 10,5. et demi rien de compliqué d'ailleurs je vais le faire tout de suite ça sera fait ok alors hop comme d'habitude je place le bord long de mon papier contre le haut de mon coupe papier et je viens donc faire un pli à 10 et demi tu crois savoir Laurence Bah oui, ça ne m'étonne pas. <laughs> voilà. Donc ça, c'est la base de cartes. Toute simple. Hop, je mets ça de côté. Ici. Ensuite, pour le reste, oh, j'avais perdu mon papier. C'est trop dur, j'y arrive pas. Dis donc, Laurence, tu serais pas un peu moqueuse sur les bords <laughs> Alors... Mais oui, exactement, je suis bien d'accord, Sandrine, t'as raison. Les techniques, on les partage, quelles qu'elles soient et d'où elles viennent. Donc, pour l'arrière de mon papier, donc vous savez, ici j'ai utilisé donc le classeur de gaufrage. Euh, il colle, est-ce que j'ai mal ancré mon pad euh, Classeur de gaufrage fougère. Je te réponds tout de suite, Rachel. Donc là, cette fois, j'ai décidé d'utiliser un autre moyen qui reste du gaufrage mais qui découpe un tout petit peu aussi alors rachel j'ai du mal avec le blanc il colle est-ce que j'ai mal ancré mon pad peut-être que tu n'as pas mis assez de d'encre blanche euh, donc n'hésite pas à bien l'étaler partout sur ton petit coussin et tu peux te servir par exemple euh, d'un bloc acrylique, tu sais, j'en ai pas sous la main, j'ai que mon stomp paratus, mais un bloc acrylique, pour bien étaler le long de ton coussin, dans un sens, puis dans l'autre, puis sur le côté également, pour bien étaler et disperser l'encre partout sur le coussin. D'accord Coucou euh, cou Titia Ah oh, Coco je pensais à t'envoyer un message ce matin j'espère que tu vas bien j'étais en voiture donc j'ai pas pris hein, puis après j'ai enchaîné avec autre chose euh, mais je pensais fort à toi donc euh, j'espère que tu vas bien ma bichette Donc ce morceau de papier 13,8 par 9 ,5. et demi et celui-là je l'ai découpé dans ce Cette découpe là c'est un poinçon en fait feuillage surpiqué je l'adore. Il est vraiment nickel. C'est vraiment très sympa. Et regardez ce que ça donne sur le morceau de papier. Regardez comme ça habille et comme ça décore bien le papier blanc. Et là encore, hein, ça se suffit à lui-même. Vous avez vu comme c'est joli Donc, ça, ça va être mon matage ici sur le fond de ma carte. Tout simplement. Vraiment. Tout simple feuillage sur piqué, il est top, Camille. Ouais, moi je l'adore, il est vraiment très sympa. Donc, déjà rien que ça, ça va super bien ressortir. Le blanc sur l'ardoise bourgeoise, j'adore ce mix, c'est trop beau. Ok, alors ça, c'est tout bête. Vous avez les mesures, tout va bien. Un morceau de papier, bien sûr, pour l'intérieur, puisque ma base euh, est en ardoise bourgeoise. Je vais envoyer la carte à quelqu'un. Donc un petit morceau de blanc à l'intérieur qui mesure 14,3 par 10. Ok, ça c'est pour l'intérieur. Du coup, cette mesure me fait penser que en fait, je ne vais je vais trancher encore un peu plus sur ma carte pour faire encore plus ressortir mon blanc entre mon gris et mon blanc. Donc je vais mettre un morceau de matage de noir qui est. Voilà, on verra juste le liseré. 14, 3, euh, pas c'est pas 9,5, hein, c'est 10. C'est 10. J'ai écrit 9,5 mais c'est 10. Attention. Sur la fiche technique, la, la, la mesure est la bonne. Hein. D'ailleurs, on va le voir ici. Ma découpe est bonne. Voilà. 14, 3 par 10. Ok. Voilà, donc pour le matage. Et par dessus, mon morceau de 13,8 par 9 et demi. Coucou Louison! et là encore mieux. Vous avez vu Ça va être super joli. Alors, là vous avez vu je suis partie sur des rectangles et bien pour cette version, je vais partir sur des ronds. Voilà voilà, on va changer un petit peu. Et donc là, j'ai déjà découpé donc le rond dans l'ardoise bourgeoise. D'accord Pour cela, j'ai utilisé les nouveaux poinçons Forme à la mode. Voilà, donc là on a des ronds, des carrés et des étiquettes pareil, tous surpiqués. Donc ça, j'aime beaucoup le côté surpiqué, je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire. Donc en ardoise bourgeoise, voilà. Donc ça, ça va être pour mon tamponnage et un deuxième, cette fois en blanc, pour mettre à l'arrière. En fait, le but, vous allez voir, c'est que je vais le mettre un ici et là-dessus, je vais faire mon tamponnage en fait et ma colorisation. D'accord Ça marche, c'est ok pour vous Alors, zo, du coup, je vais mettre ça de côté et je vais prendre mon stamparatus. Hop Voilà, l'idéal plutôt que de se trimballer tous mes petits blocs. Et cette fois, je vais prendre le petit raton laveur. 120 euros on va être atteint rien qu'avec tes aspirations. <laughs> Pour le kit, tu veux dire Alors, tac, donc je vais venir ici le positionner. Voilà. Donc du coup, je vais poser mes aimants. Donc je vous rappelle, mon papier uni ici, c'est de l'ardoise bourgeoise. Donc je vais tamponner mon motif également avec ardoise bourgeoise. Le petit truc c'est ça, c'est dans un premier temps de venir tamponner son motif ton sur ton sur son papier uni. Alors les couleurs, les tons approchant aussi, bien sûr. Mais bon, comme avec Stampin' Up, on a tous les papiers et les encres coordonnés et identiques, ce serait dommage de s'en priver. On est bien d'accord. Donc ça c'est positionné, toc toc. Donc je peux venir ancrer. Mon motif, donc avec ardoise bourgeoise. Voilà, désolé pour le bruit. Hop, donc je viens tamponner une première fois. Je trouve que ce n'est pas assez, donc je vais venir de nouveau tamponner. Hop, l'avantage du stamparatus, c'est qu'on y va une fois, ça suffit pas, on y va une deuxième. Voilà, allez, encore un petit coup, histoire d'accentuer un petit peu. Là, notre blanc sortira encore plus. Là, ok. Ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Donc, je vais garder mon Stamparatus. Hop. Comme ça, j'ai ma feuille de brouillon. Je vais juste venir nettoyer mon tampon. Alors, pendant que je fais ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions Je vais en profiter pour y répondre. N'hésitez pas. Pendant les quelques petites secondes, je vais tenter de nettoyer. <laughs> voilà, tout simplement. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Sur l'activité, sur la création, sur la colorisation, n'hésitez pas. Hop, je vous en prie. Alors, je vais ranger ça tout de suite. Ça m'invitera de le perdre, de l'abîmer. Quoique, ça ne risque pas de se perdre vu que j'ai utilisé le Stamparatus. Tac, tac, tac. On est bon. Non, pas de questions. C'est OK. Alors, on continue. Alors, pour la colorisation. Eh bien, vous allez voir comme c'est bête comme chou. Il vous faut donc le pad d'encre murmure blanc qui est vendu donc chez Stampin'Up avec sa recharge. Donc, le pad vous arrive euh, vierge, d'accord Il n'y a pas d'encre dessus. Ok. Donc, le, le coussinet est vierge, d'accord Donc, en même temps, vous recevez la recharge et il vous faut donc venir mettre votre encre directement donc sur le coussin. Vous remplissez votre coussin, donc vous faites glisser des gouttes, etc. partout et vous faites comme ce que je disais tout à l'heure à Rachel, vous pouvez prendre le dos d'une cuillère ou euh, la tranche donc, des blocs acryliques qui servent à la base à tamponner, et vous venez voilà, passer tout simplement dans un sens, puis dans l'autre, et puis de façon latérale également pour bien faire imprégner l'encre dans le coussinet. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, vous remettez un petit peu d'encre et vous recommencez l'opération et c'est fond, c'est bon. Le tour est joué. Donc le mur l'encre blanche, OK. Et il vous faut également les crayons estompe, vous les avez déjà vus passer je pense dans mes publications récemment. Donc voilà. Ils sont vendus par trois chez Stampin Up. Vous aurez sur mon blog, sans aucun problème, toutes les références des produits dont vous allez avoir besoin. Pas d'inquiétude, d'accord Donc, ils sont idéaux pour mélanger l'encre, d'accord Donc, les encres à base d'eau, de façon générale, ce qui est le cas pour tous nos pâtes d'encre de couleur chez Stampin'Up, ok Et également euh, des craies, par exemple, ou euh, les crayons à pastels aussi. C'est pas très français ce que je viens de dire. Les pastels. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi pour ça. Avec une vieille carte bancaire, ça fonctionne bien également. Oui, exactement, oui. Du moment que c'est quelque chose d'assez large euh, et, qui va, et qui ne va pas être agressif euh, sur le coussinet pour pas que ça l'abîme, tout simplement. Donc ces crayons, ils ont donc deux pointes, deux côtés, comme des feutres. Hein. Voilà. Tout simplement. Je vous en avais ajouté à la box mensuelle. Oui, c'est vrai, exact, il y a quelques temps. Voilà, donc des pointes comme des pointes de feutre. Voilà. L'avantage, c'est qu'ils ont des pointes très fines. Donc du coup, c'est parfait pour euh, une colorisation assez espacée, mais également pour des espaces très fins. Voilà, très très fins, des petits motifs. Ça va nickel. Et du coup, eh bien là, c'est parti, en fait, tout simplement. Il suffit hop, de venir légèrement tremper la pointe sur le coussinet pour récupérer de l'encre, en fait, hein, tout simplement, et de venir euh, appliquer l'encre blanche là où vous le souhaitez. Là, le, le conseil que je vous donne, c'est d'aller l'appliquer sur les parties qui sont euh, non ancrées, par exemple. Donc, si vous voyez sur le motif ici, vous voyez les yeux au-dessus de notre petit raton laveur, il n'y a pas d'encre. Du coup, c'est ici, c'est dans ces parties-là que je vais venir mettre de l'encre blanche. Au niveau de ses oreilles aussi, également. Vous voyez Comme ça, ça va faire vraiment bien ressortir tous ces éléments. D'accord On les verra beaucoup plus. Après, si vous avez envie, je vais vous montrer comment. Vous pouvez aussi en mettre n'importe où ailleurs. D'accord mais on commence par les endroits qui ne sont pas pré-ancrés par notre tamponnage. Véronique, tu ne connaissais pas. Ravi de t'apprendre quelque chose. Et donc, c'est parti. Alors, la petite chose qu'il faut que je vous dise, et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il va falloir ancrer plusieurs fois, par exemple. D'accord Parce que l'encre blanche va euh, être imbibée par le papier. D'accord Donc il faudra peut-être remettre par-dessus une ou deux fois, selon que vous voulez que ça sorte plus ou moins. Donc c'est parti, voilà, je viens déposer donc mon encre blanche sur mon petit raton laveur. Vous voyez, ça commence déjà à ressortir, vous voyez à l'image Voilà, on y va tranquille, tout simplement. Voilà, donc là pour l'instant je me focalise sur les espaces donc où il n'y a pas d'encre voilà donc là je m'en vais sur les oreilles toc voilà la pointe était vraiment très fine au bout hein, euh, du coup Hop. alors moi je travaille avec le pinceau à réservoir d'eau oui tu peux tout à fait par contre fais attention au papier. Euh, en général, il est conseillé euh, de travailler avec du papier aquarelle euh, lorsque tout de suite on travaille avec de l'eau, euh, pour que le, le papier, a, pour être sûr que le papier va bien absorber l'eau. Mais effectivement, c'est tout à fait possible aussi en version aquarelle, pas de problème. Hop, voilà. Et du coup, vous voyez, ça commence à ressortir. Donc, on va faire ressortir tous ces petits détails. Là, c'est pareil, autour de son petit nez, il y a un petit peu de blanc, voilà, on va faire ressortir tout ça, toc. Alors, qui connaissait déjà cette technique, ou plutôt, qui l'a déjà testée Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez déjà testé cette technique Oui, ils sont vraiment sympas ces, ces crayons estompe. Je rajoute toujours à estompe, je ne sais pas pourquoi je dis ça alors qu'en fait, c'est un trait d'union entre les deux. Voilà, c'est un défaut de langage. Toc. Alors, voilà un petit peu ici. Et du coup, je vais lui faire un petit peu ressortir ses yeux là. Voilà, c'est très léger. Hop. Voilà, je vais remettre un petit peu ici pour que ça ressorte un peu plus. Alors Marie-Christine non pas du tout, Louison non plus, Cécilia non plus. Ah ça c'est chouette. J'aime ça vous apprendre des choses. C'est top. Voilà. OK, puis du coup, voilà, je vais aller mettre en valeur un petit peu sa queue là parce que du coup, il y a plein d'espace blanc. Toc. Voilà. Et ici aussi. Ni connu, ni testé, pas faute d'avoir ce qu'il faut. <laughs> ça, c'est une habitude. Parce que ça sert, parce que c'est un crayon qui sert à estomper. Oui, aussi. Parce que on peut aussi les utiliser. Les... Ces crayons-là, on peut aussi les utiliser avec les crayons aquarelles, avec les pastels, avec les pâtes d'encre. Il y a plein, plein, plein d'utilisations possibles. Donc ça c'est top. Toc. Et du coup, allez, on va aller le coloriser un petit peu le corps, faire ressortir un petit peu sa petite fourrure. Alors non, je n'ai pas encore fait cette opération. Ah super, Béatrice. Je te fais plein de bisous ma bichette. Élémentaire mon cher Watson. Est-ce que je sens un petit peu de moquerie là au sein des personnes qui suivent le live Me trompe je voilà, vous voyez ça ressort, on a vraiment les éléments qui ressortent bien, donc là je vais retourner un petit peu au-dessus de ses yeux, hop, voilà pour insister encore un petit peu plus ses petites oreilles aussi, voilà, et puis du coup, hop, voilà, je vais m'amuser vraiment à aller mettre des petites pointes de blanc un petit peu partout. Voilà. Parce que du coup, on voit que dans le tamponnage tout n'est pas ancré, donc aucun souci. Des moqueries, non Mais <laughs> j'adore cette technique, surtout avec les tampons calmes de Camélia. Oui, avec les tampons là, ça, ça, ça rendait super bien. Et que c'est effectivement. Hop, voilà, mais il y a plein d'autres sets de tampons avec lesquels c'est possible. Donc il ne faut pas se gêner. Il et... faut tester en fait tout simplement faut tester voilà et du coup je vais faire un petit peu au niveau des branchages ici voilà comme si je les colorisais mais pas en vert du coup je vais ressortir certaines parties et eh bien en blanc cette fois voilà toc tout simplement Voilà, tac tac tac. Vous avez vu, c'est bête comme chou, mais du coup, super facile avec un méga rendu. Ah Daniel, ça te plaît aussi, c'est marrant. il y a quel jour je vous ai un mes message pour savoir comment utiliser ces fameux crayons estampes. Ah et ben voilà <laughs> C'est parfait Et voilà. Donc, encore un petit peu sur les petites herbes je vais les faire sortir hein, parce qu'il y en a qui, qui ont le centre non ancré celle-là aussi voilà et voilà c'est pas mal hein, ça vous plaît Jocelyne, oui, tu les as déjà utilisées toi super Camille, c'est absolument pas ton genre bah voyons, votre genre ben voyons, laissez-moi rire. Hop là, voilà notre petit raton laveur. Hop. Allez, on lui en remet un petit peu ici. Faire sortir encore un peu plus ses petites oreilles. Voilà, vous aurez compris le principe. Ça te plaît, Myronix Génial, tiens. Je vais devenir Ami avec la colorisation. Ah, ça, ça me fait plaisir, marie Christine. Savoir que tu vas peut-être tester, c'est top. Petite question toute bête. Ça marche si on fait à l'inverse en appliquant la couleur À l'inverse. Qu'est-ce que tu entends par à l'inverse Héloïse, dis-moi, ma belle. Toc. Alors, Voilà. Ça va être tout simple. Donc là, sur le raton laveur, il n'y a pas énormément de blanc. Mais du coup, pour vous présenter la technique, vous montrer comment faire, c'était largement suffisant. N'est-ce pas Voilà ce que ça va donner. Ça vous plaît Il va falloir la mettre à l'honneur. Go publier sur le groupe des VIP. Oui, mais pas seulement sur la VIP. Vous pouvez aussi publier vos créations. Euh, partout sur vos profils et tout, n'hésitez pas avec le hashtag ArmandiScrap. Alors, maintenant je vais faire le montage donc, de ma carte, tout simplement. Merci Louison, c'est gentil. Un petit coucou rapide du travail, projet trop De rien Coucou Sylvie, avec plaisir Bon courage pour le travail Tu veux dire ancré en blanc et tamponné et estompé en couleur oui, normalement ça doit être possible. Mais oui, a priori, il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut tester. Dès qu'on se pose la question sur quelque chose, on le teste et on n'a pas peur. Oui, 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 oui carrément, oui. Oui, oui, je pense que oui, Héloïse. N'hésite pas, teste. Alors, je vais juste en profiter pour vous montrer un petit truc magique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons, ça y est, enfin nos plaques aimantée pour passer dans la machine. Oh, je vous assure que je m'en passe plus. Hein. Alors, elle est beaucoup plus épaisse que celle que nous avions eue au départ l'année dernière. Elle est incroyable. T'inquiète ma Cathy, c'est pas grave. Vous avez vu, on a le poinçon. C'est trop cool Alors, elle, elle pèse son poids. Mais du coup, elle ne gondole pas. Elle est auto cicatrisante, donc ça c'est génial. Les traces restent, mais du coup ça fait pas de traces ailleurs. Et c'est vraiment génial parce que du coup c'est fini. Nos poinçons ne tombent plus. <laughs> Faudrait vraiment le vouloir. <laughs> voilà. Donc c'est la plaque magnétique pour la grande machine qui potentiellement, à vos risques et périls, devrait passer dans euh, les big shots. A priori, je n'ai pas testé, donc à prendre vraiment avec des des guillemets des parenthèses des tout ce que vous voulez <laughs> ok mais voilà si euh, vous en avez marre de courir après vos poinçons et de galérer avec le masking tape pour euh, poser vos poinçons autour de vos sentiments ou de vos motifs par exemple euh, et bien voilà la solution elle est là n'hésitez hein, plus <laughs> voilà alors toc okay, c'est parti je vais monter ma carte. Du coup, j'ai quand même déjà préparé hein, mon sentiment que je vais mettre dessus. Donc tamponné en ardoise bourgeoise euh, sur le papier blanc, découpé avec euh, les poinçons forme à la mode que je viens de vous montrer à l'instant. Voilà ici. Et du coup, le joyeux anniversaire il vient de ce magnifique set de tampons qui est ici, charme intemporel qui est juste incroyable. Non, Hélène, pour l'instant la plaque magnétique n'existe pas encore pour la mini-machine. Ça viendra, mais nous n'avons pas encore de date sur le sujet. Normalement, oui, Héloïse. Voilà, mais encore une fois, je n'ai pas testé, donc euh, voilà, je ne peux pas l'assurer à 100%. Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, et du coup, ce set-là, il est coordonnée avec une perfo étiquette qui est trop belle. Voilà, ouais, mais vraiment celui-là, il, il est trop beau. On a des sentiments qui sont magnifiques. J'adore. Oui, elle est au catalogue, mais elle n'est pas encore disponible pour l'instant. Celle, la plaque que je viens de vous montrer là, elle passe dans la grande machine de découpe Stampin'Up. Elle est spécialement adaptée pour elle. Et vraiment, quand l'essayer, c'est l'adopter. Euh, voilà, donc ardoise Bourgeoise. Et bah du coup, il me reste plus qu'à monter tout ça, hop, sur ma petite carte. Voilà, maintenant il suffit simplement de coller. Hein. Donc euh, ça, c'est pas compliqué. On est d'accord. Alors, toc. C'est parti. De rien, Nathalie. <laughs> T'oublies des morceaux de mots. <laughs> J'adore. Hop, voilà. Bien sûr, Toby achète son trésor. Oui. <laughs> voilà. Oups, J'en vois tout balader. Toc. Donc, comme ceci. Voilà. Oui, 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 je sais que. Alors, tu peux dire la référence des découpes, je ne l'ai pas trouvée. Alors, les découpes, Véronique. Je ne sais pas de quelle découpe tu parles. Si c'est pour les formes à la mode, ici, c'est 159, 183 pour ces découpes-ci, formes à la mode. D'accord Si c'est pour les poinçons surpiqués, donc que j'ai utilisé pour. Euh, Ici, l'arrière de, de ma carte, c'est 155, 451. 155, 451. Pour les poinçons surpiqués. J'espère que c'était ta question, Véronique. Du coup, mes cercles, maintenant, je vais venir les coller ici. Un petit peu en décalé, ça va être très joli. Voilà. Oh, décidément Véronique, Sandrine t'a ajouté les références en commentaire. Merci, Drin Drine. Voilà mon petit raton laveur. Ah, je vais le mettre un petit peu en décalé comme ceci. Si je commande et qu'elle passe pas, bah je suis bien après. Mais non, tu pourras, tu pourras trouver une copine qui a la machine et puis vous pourrez faire un petit échange. Héloïse, ça vaut le coup aussi, ça. Mon petit sentiment, alors lui, je vais le coller en 3D. Voilà, pour faire ressortir un petit peu tout ça. Toc-toc, des dimensionnels ici et là. <laughs> Voilà, oui, c'est vrai, elle n'a pas fait la chasse au trésor dans elle n'était pas là, elle n'avait pas pu y assister. Hop, allez, ici, toc. Et du coup, pour finir, je vais ajouter les nouvelles petites perles classiques irisées que j'adore. Moi, je vais les sortir du paquet, vous verrez encore mieux. Gros bisous, ma petite Carrel, je t'embrasse fort, bon courage. Voilà. Donc ça c'est des petites perles mais qui sont encore plus brillantes que les précédentes. Je les aime beaucoup. C'est mes nouvelles favorites je crois. Et du coup il y a des petits reflets de rose dedans, c'est juste superbe. Voilà, une petite touche ici et là. Toc toc. <coughs> voilà. J'adore ces petites perles, je les adore. Vous les aviez remarquées celles-ci, celles ça, les compris les échantillons, je pense que oui. Euh, les autres, peut-être pas. Donc, les perles irisées, euh, vraiment, elles sont trop belles. Voilà. Et du coup, il me reste donc mon petit papier blanc à mettre à l'intérieur quand même. Voilà, ça sera quand même plus joli pour rédiger le petit mot pour le ou la destinataire. <laughs> Envoie-le nous ton banquier Eloïse, t'inquiète, ça va bien se passer. Toc et toc. Voilà. Et voilà, du coup on a la deuxième version. Voilà, avec nos petits animaux de wild and sweet. Toc. Voilà. Le matage, c'est noir ou gris foncé. Alors, la base ardoise bourgeoise, le matage noir et le reste est blanc. Voilà, Daniel. Et voilà pour les deux versions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, Hélène. C'est top, ça me fait plaisir si ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. C'était le but de ma démarche aujourd'hui, vous faire découvrir quelque chose ou redécouvrir pour certaines. Et ça, c'est vraiment très sympa. Merci, Louison, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, hop, je ne sais pas quelle est euh, la version que vous aurez pr préférée, le petit koala ou le petit raton laveur. Je vous les remonte du coup, dans l'autre sens Voilà. C'est pas très droit mon histoire. Ça marche à l'envers, moi. Alors <laughs> voilà. Du coup, vous avez déjà une première idée de ce que ça peut donner. Euh... <laughs> du coup, j'espère que vous allez tester. Euh... Très belle carte, d'autant plus que j'adore cet tampons. Ah, Jocelyne, ça me fait plaisir. Hélène, elle a préféré le petit koala. Euh, Nadine, t'as bien aimé aussi. Bon, chouette, ça me fait plaisir. Béatrice, elle aime bien les deux. Nathalie, elle préfère le raton laveur. J'ai plus qu'à regarder en replay. <laughs> oui Cathy, bonne idée. Merci beaucoup Maria-Isabelle. Je vais essayer sur du vélin. Mm, Rachel, pourquoi pas. Et n'hésite pas surtout à nous partager le rendu. Hein. Ça sera avec plaisir. Euh, préférence d'un poil pour le raton laveur pour Drin Drin. Et le koala pour Laurence. Bon, vous voyez comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Euh, donc, ça c'est vraiment sympa, la, la diversité des choses. J'ai surtout. Euh, j'ai pas osé le tenter, euh, le panda. Euh, si je l'ai tenté, mais ouais, j'ai pas eu assez de temps pour me pencher dessus. Mais effectivement, ça doit bien rendre. Fin de mon avant-dernier live en live, bientôt. Ah oui, c'est vrai, ouais, écoute, tu regarderas en replay, mais on pensera fort à toi. Viviane, elle va tester et elle, elle préfère le koala. <laughs> Camille, les deux, comme quoi, hein, voilà. Je veux voir. Oui, nous aussi, on veut voir le résultat sur le vélum avec grand plaisir. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant cette petite heure créative. Euh, j'espère que vous aurez euh, appris euh, quelque chose et surtout que vous aurez profité de cette petite bulle, rien qu'à vous, avec nous. Euh, en tout cas, moi, ça me fait toujours beaucoup de bien euh, de vous retrouver comme ça euh, ce, pendant ce live créatif, en tout cas. Ah non, merci Marie-Christine, c'est trop mignon. <laughs> merci beaucoup à toutes et à tous. Euh, passez une excellente après-midi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant la promo actuelle pour devenir démonstratrice. Euh, voilà, en message privé sans aucun problème. Je vous propose aussi donc le live mercredi prochain à 13h30 pour, euh, voilà, papoter un petit peu, vous raconter mon histoire et surtout, surtout répondre à vos questions. La promo se termine le 31 mai, hein, donc n'oubliez pas. Merci, encore merci pour tout ce que tu nous apprends, je peux te téléphoner. Oui, 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 pas de soucis, Véronique, dans 5-10 minutes, il n'y a pas de problème, tu m'appelles. Merci, Marianne, c'est vraiment très gentil. Allez, je vous abandonne. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présente cet après-midi. Gros bisous aussi à toutes celles et ceux qui ont regardé en replay. N'oubliez pas, vous avez tout ce qu'il faut sur le blog la fiche technique, le replay, les produits que j'ai utilisés avec toutes les références aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un œil d'ici quelques minutes, le temps que la vidéo charge correctement. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Bon après-midi et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live créatif, mais d'ici là, vous retrouverez donc l'inspiration du week-end. Euh, rendez-vous vendredi pour ça. Bon après-midi, ciao, ciao.